Hey les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors les gens, je vous demande le plus grande attention de votre part. Aujourd'hui, ce qui va arriver sur la chaîne, c'est un des projets les plus énormes de la chaîne YouTube. Vous me voyez plus avec les cheveux comme avant parce que je suis parti chez le coiffeur et oui, il fallait bien. Ce que je vais vous demander, c'est un peu d'attention parce que là, ce que j'ai préparé, c'est vraiment un gros, gros, gros travail. Voilà. C'est un peu des podcasts, un peu de mélange et savoir, vous allez avoir un peu une mise en scène, on va dire, de pourquoi j'arrêtais YouTube et qu'est-ce que je faisais avant. Voilà, vous allez savoir ça dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon visionnage et on se dit à la prochaine. Ciao. Oh putain, la merde quoi, la merde, la merde, la merde. Je sais pas quoi faire, c'est ça le pire, je ne sais pas quoi faire, c'est ça. Il y a des vidéos à faire, il y a plein de choses à faire, et je suis à 125 abonnés, et encore, je ne sais même pas si je vais évoluer dans les futures années, c'est ça le pire. Ouais, mais tu sais que t'as des abonnés derrière toi, tu le sais très bien, non? Si tu le sais pas, c'est que t'es con, je pense que tu dois être con dans ta tête, non? Logique? T'as peut-être raison, ouais, je pense que t'as raison. Ouais, mais comment je peux faire justement pour pouvoir résister à faire YouTube, je n'y arrive plus. Comment tu veux que je fasse? Et le problème, depuis que j'ai plus rien faire, je ne sais plus rien faire. Et je sais plus quoi faire. Et je ne sais plus quoi faire. Le problème, c'est ça. Ah, t'inquiète, mon frère. T'inquiète. J'ai la solution pour toi. La simple et pure solution, c'est que tu montres à tes abonnés que t'es fier. Voilà. C'est tout simplement ça le problème. Tu dois être fier, tu dois montrer ta bonne volonté. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah mais tu crois franchement je peux continuer YouTube? C'est ça le problème, je sais pas si je dois continuer YouTube. Ah ouais mais non mais c'est bon. Je sais vraiment pas, franchement je sais pas. Ça me désespère franchement. Écoute, tu fais comme tu sens. Tu veux arrêter YouTube, tu arrêtes YouTube. C'est simple, c'est clair, voilà. Après voilà, tu sais très bien que tes abonnés vont se demander pourquoi t'as continué, pourquoi tu reviens, tu pars, tu reviens, tu pars. C'est un peu bizarre tout ça, non? Alors pour répondre à des questions simples et claires, ce que je faisais avant, c'était tout simplement, j'étais en train de travailler quelques mises en scène, on va dire, de projets. C'est-à-dire que, en attendant, j'avais un boulot à chercher. Vous savez, je vais chercher un boulot, ça devient un peu compliqué. Chercher un boulot, trouver une formation, trouver du travail, et c'était trop demandé pour ma part. Il faut savoir que aussi, j'ai trouvé maintenant une formation adéquate, voilà. Mais je vous dis que aussi, si je vous dis que plus tard j'essayerai de vous montrer de la bonne volonté, c'est parce que je veux vous le montrer. Vous me l'avez montré de vous-même. On est maintenant actuellement à 125 abonnés. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait de telles choses sur mon armoire, mais on est actuellement à 125 abonnés. Et franchement, c'est super. Il n'y a rien d'autre à dire et c'est génial. Je veux que ça reste comme ça. C'est vrai que la plupart des temps, c'est que j'étais plus vraiment sur YouTube, mais j'avais, on va dire, une complication avec le travail. Il faut savoir qu'entre temps il y a eu un petit problème de relation. Et ouais, je suis officiellement célibataire, encore une fois de plus. Oui, les meufs ont joué avec moi, je sais. Mais on sait tous que certaines meufs, c'est des coins à chouan. Et elle va me dire, mais c'est quoi les coins de chouan? Regardez, il y a bien quelqu'un qui va poser la question. Regardez. Mais une chouan? T'appelles quoi par là, chouan? C'est pute, salope? Bah non, on va se faire straquer. Mais c'est quoi une chouan? Et je veux savoir. C'est quoi le chouan? Je comprends pas. Je vais plutôt me barrer parce que le mot de chouan, je ne connais pas, désolé. Non, désolé. Eh ben, tout simplement, le mot de chouan, ça vient du mot... Voilà, vous l'aurez juste en barre de description. Le mot de chouan, c'est une personne qui... voilà, vous avez tout compris à la situation de la vie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez juste le mot abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et puis, bah, moi, je me casse. Allez, ciao. Et surtout, je vous dis abonnez-vous. Ah, Fred! Allez, on y va. Let's go.